On y va, c'est parti. On est prêt? Allez. Hop là, comme on peut voir, j'ai mis plein de cerceaux partout. On va s'en servir tout à l'heure. Je vais juste étouffer un petit peu. Et allez, on y va. Allez, on commence. On se tient sur place, comme d'habitude. Allez, juste pour commencer, on s'échauffe. Allez, allez. Après une bonne semaine de coups d'école, on est en vacances, mais on lâche pas le rythme. Et on continue à s'entraîner. Allez, allez, on sautille. Allez, je passe sur cloche-pied. Donc là, je monte le genou, comme si je mettais un baïgami. Je monte le genou et je sautille sur un cloche-pied. Allez, allez, tout le monde à cloche-pied, on y va. Allez, je change de pied. Allez, cloche-pied sur l'autre pied, et je change de pied. On y va. Allez. Je sautille sur un pied et je change de pied. Allez, je change de pied, je change de pied. Et je sautille. Je respire bien. Allez, je change encore de pied. On y va. Je m'arrête ici. Allez, je fais les poignets un petit peu et les chevilles en même temps. Comme ça, je récupère. Allez, les poignets, les chevilles en même temps. On y va. Hop là, je monte en tout petit peu l'écran pour que tout le monde le voit bien. Ouais, c'est bien. Allez, mes chevilles, les poignets, et on y va. Allez. Ok, allez, je m'arrête ici. Je vais partir. On va partir en pied, en pas chassé. Donc, je vais partir en pas chassé sur un côté. Pas chassé sur un côté, et pour revenir, je vais sauter. D'accord? Donc juste ça. Juste je pars en pas chassé sur un côté, deux pas, et je saute pour revenir. D'accord? On est prêt? Allez, on en fait 8, de côté que tu veux. Donc là, je suis face à la caméra, petit pas chassé sur le côté, et je saute. Allez, on est parti. Allez, un, pas chassé, et je saute. Allez, deux, pas chassé, et je saute. Allez, trois, pas chassé, et je saute. Allez, quatre, pas chassé, et je saute. Allez, cinq, pas chassé et je saute. Allez, 6, pas chassé et je saute. Allez, 7, pas chassé et je saute. Allez, 8, pas chassé et je saute. Allez, je reprends un peu d'espace. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pas chassé de l'autre côté et je vais revenir en sautant. On est prêt? Allez, 1, pas chassé ici et je saute pour revenir. Allez, 2, pas chassé et je saute. Allez, 3, pas chassé et je saute. Allez, 4, pas chassé et je saute. Allez, 5, pas chassé et je saute. Allez, 6, pas chassé et je saute. Allez, 7, pas chassé et je saute. Allez, 8, pas chassé et je saute. Ok. Allez, je récupère un petit peu. Je souffle. Allez, on va continuer sur les pas chassés. On va reprendre un exercice que l'on a déjà fait ensemble. C'est-à-dire, on va faire un pas chassé sur le côté. Et on va venir toucher son pied. Donc là, c'est pareil. Je mets les mains devant, ici, pas chassé sur le côté, je viens toucher mon pied. Et je repars de l'autre côté, je viens toucher mon pied. On est prêt? Allez, on en fait 8. On est prêt, les mains devant. Allez, 1, j'y vais et je descends. Allez, 2, je descends. Je descends. Allez, je descends, je décale. Allez, 3. Je touche, attention, c'est les jambes qui plient, hein, c'est pas le dos. Et je repars de l'autre côté. Allez, 4. Et je plie à chaque fois, c'est les jambes qui plient. Allez, 5. Allez, je fais avec vous. On y va, on lâche pas. Allez, 6. On y va. Je touche à chaque fois. Allez, 7. Je touche et je reviens. Allez, dernier, 8. Je touche et je reviens. N'oublie pas le retour. Et je récupère un peu. J'espère que vous êtes en pleine forme. Que tout le monde va bien. Allez, on récupère un petit peu. Allez, prochain exercice. On va faire la grenouille ici. Donc, on va faire attention autour de soi. On va faire attention de ne pas faire trop de bruit pour les voisins si on est en appartement. Donc, ici, je vais m'accroupir et je vais sauter devant. Ici. D'accord? Et je vais revenir à ma place. On est prêt? On va le faire 8 fois. Donc, ici, je plie les jambes. Je mets les mains là et je pousse sur les jambes pour venir devant, faire la grenouille. Alors, on fait attention, c'est la pointe de pied. Le talon ne touche pas le sol, juste la pointe de pied et je reviens. On est prêt?
On fait sur 6. Prêt? Allez, je m'accroupis, les mains debout par terre, et je fais le saut de la grenouille. Allez, 1, saut de la grenouille. Et je reviens. Je m'accroupis. Allez, 2, saut de la grenouille, et je reviens. Allez, 3, saut de la grenouille, et je reviens. Allez, 4, saut de la grenouille, et je reviens. Allez, 5, saut de la grenouille, et je reviens. Allez, 6, saut de la grenouille, et je reviens. Ok, on va juste le compliquer un tout petit peu, on va le faire sur 4 fois. Celui-ci, je vais partir par et saut de la grenouille, je vais sauter devant, revenir, et je vais faire la même chose en reculant. Saut en air, ah, là c'est un peu plus compliqué. On n'oublie pas, on met bien la pointe de pied sur le sol pour bien être stable. Donc on est prêt. Donc ici, mes mains devant, je saute en avant. Allez, 1, devant, et je fais la même chose en arrière. 2, voilà, je saute. Allez, on prend encore sur 3. Allez, 1, devant, 2, derrière. Allez, on fait encore 2. Allez, 3, devant, 3, derrière. Et dernier, allez, 4 devant et 4 derrière. Ok, je récupère, ça chauffe un peu les jambes. C'est normal, on travaille un petit peu. Allez. Allez, on va finir par délier un petit peu. Allez, sur place, petit montée de genoux. Allez, on monte les genoux. On monte les genoux. Allez, allez, allez. Allez, talons fesses, on a l'habitude. Pour un moment tranquille, et après on va accélérer un petit peu. Allez, j'accélère un peu. Allez, top, montez les genoux un peu plus vite. Allez, montez les genoux un peu plus vite. Allez, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. En rythme. Ok, je récupère. Allez, talons fesses, un peu plus vite. On y va. Allez, talons fesses, j'accélère. Ok, je récupère. J'espère que pour tout le monde ça va, que là il travaille. Allez, juste le dernier, on va courir sur place, d'accord? Donc juste le dernier, je vais donner un top, on court sur place. On est prêt? Allez, top! Allez, je cours sur place. Ok, je relâche. Je vais donner un deuxième top, on va aller un tout petit peu plus vite, je vais compter jusqu'à 8. On court sur place, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, deuxième, je compte jusqu'à 10. Un peu plus vite, un peu plus fort. On est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le dernier, je compte jusqu'à 12. On donne tout ce qu'on a. Prêt? Allez, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, je récupère. Est-ce que pour tout le monde ça va? Noah, ça va? Tout le monde va bien? Ok. Allez, on va passer un peu à la partie technique. Donc, pour la partie technique, je vais vous demander d'être bien concentré. D'accord? On va travailler un petit peu les pivots ce matin. Donc, ici, regardez. Je mets 4 cerceaux. 3 cerceaux, excusez-moi. Là, je mets 3 cerceaux. Un jaune, un rouge, je vais retirer ceux-là. C'est pas bon. Voilà. Donc vous avez vu, là, j'ai 3 cerceaux qui sont alignés. Donc là, on va juste travailler ça. Le pied qui est dans le jaune, il ne bouge pas. Jamais. Donc toujours le pied qui est à l'extérieur. Donc vous n'avez pas de cerceau, mais on imagine qu'on a les cerceaux sur le sol. Ici. Donc on est concentré. Donc face à la caméra, ça fait ça. Ensemble. On va le faire ensemble. Donc le pied qui est dans le rouge, je vais venir le mettre de l'autre côté ici et je vais me retrouver face à la caméra. D'accord? Donc, ici, on reprend. Donc, de là, je vais bouger la jambe à la jambe gauche, donc celle-ci. On le fait ensemble. Je vais la bouger derrière ici et sans bouger les jambes, je vais pivoter. Allez, on essaie de faire pareil. Alors, vous n'avez pas forcément de cerceau, mais on commence. Et je m'en remets face à la caméra. Je suis face à la caméra. Le pied arrière ici, juste je tourne. Un, je passe derrière. Et je pivote et je me retrouve dos à la caméra. Je reviens face à la caméra, ici. Allez, on va y faire encore une fois. La jambe gauche, donc la jambe de derrière ici, la jambe à gauche, elle va passer derrière. Un, je passe derrière, ici. Et je pivote pour me retrouver dos à la caméra.
et je reviens face à la caméra. On est prêt? Allez, un derrière ici. Et je pivote. Et je reviens face à la caméra. Allez, donc gardez mes pieds dans les cerceaux ici. J'ai les mains dans le dos. Ici, juste derrière. Et je pivote et je me retrouve dos à la caméra. Et je reviens face à mon écran. On est prêt? Donc face à mon écran. Allez, on fait encore une fois. Un ici. Et je pivote. Et je reviens face à mon écran. D'accord? Allez, un ici. Et je pivote. Et je reviens. Allez, on fait encore une fois. Un ici. Et je pivote dos à la caméra. Allez, je reviens face à la caméra, je vais changer de jambe. Donc vous avez vu, j'ai décalé. Tout à l'heure, j'étais là. Moi, maintenant, je vais décaler juste pour vous faire voir. Donc toujours le pied qui est dans le cerceau jaune, il ne bouge pas. Ici, je vais juste venir faire la même chose avec l'autre pied. Donc on allait travailler le pied gauche. Donc c'est celui-ci, si j'ai la main face à la caméra. Maintenant, je vais travailler le pied droit, l'autre côté. Donc celui qui est le plus proche, par là. Vous avez vu, je vais remonter mon kimono ici pour que tout le monde voit bien. Donc je remonte mon jambe droite, mon kimono, ici. Donc là, j'ai mon kimono qui est plus long et là qui est plus court. Et je vais pivoter aussi la même chose. Donc là, je regarde la caméra et je me retrouve derrière la caméra. Allez, on travaille ça. On est prêt, donc on n'oublie pas. La jambe, j'ai le kimono qui est relevé et on dégonfle tour. Allez, un, et on revient. Et on revient. Face à la caméra. Allez, deux, je tourne. Ici. Et je reviens face à la caméra. Allez, 3, je tourne et je reviens face à la caméra. Juste ça. Allez, je continue. Allez, je tourne, je pivote et je tourne. Allez, 4. Allez, j'en fais encore 2. Allez, 1. Je tourne et je reviens. Là, pour moi, c'est toujours celui où le kimono est relevé qui travaille. Allez, le dernier. 6, ici. Et je pivote. Ok, ça marche pour tout le monde? Donc, là, maintenant, on va compliquer un tout petit peu. Je reviens ici. Je vais travailler la jambe où le kimono, il n'est pas descendu. Alors, on regarde avant de faire. Regarde, je vais tourner une fois ici et je vais me retrouver en pivot. Et ensuite, je vais retourner une deuxième fois pour me retrouver face à la caméra. Donc, on va travailler deux fois le pivot. On est prêt? Allez, juste celui-là. La jambe où il n'y a pas le kimono, je viens chercher loin derrière et je pivote face à la caméra, dos à la caméra. Et une fois que je suis dos à la caméra, la jambe qui est là, je vais la passer de l'autre côté pour refaire le pivot. Allez, on va travailler ça un petit peu. Allez, un, je pivote. Allez, deux, je pivote. Je dois toujours me retrouver soit face à la caméra, soit dans le dos à la caméra. Allez, on le fait encore deux fois. Un, je pivote. Deux, je pivote. Allez, un, je pivote. Allez, j'essaie de trouver mon équilibre et bientôt pivoter. Deux, je pivote. Ok. Allez, je change de jambe, ici. Maintenant, je vais travailler celle avec le kimono qui est relevé, ici. Donc, la même chose, je vais pivoter de l'autre côté et me retrouver face à la caméra. D'accord? Donc, on le fait ensemble. Ici, donc là, c'est le côté où le kimono est relevé. Allez, un, ici, et je pivote face à la caméra. D'accord? La même jambe, je vais venir de l'autre côté, trouver le cerceau par derrière et pivoter. Allez, on essaie de le faire une fois ou deux. Allez, un, ici. Deux, ici. Je passe toujours la jambe derrière. Allez, un, ici. J'essaie toujours de passer la jambe derrière. Deux, ici. Allez, un, ici. Je passe toujours derrière. Deux, ici. Alors, oui, ça paraît simple, mais c'est vraiment pas simple. Allez, je vais regarder un petit peu, voir si vous avancez bien. Ah. Allez, on essaye. Allez, on passe la jambe derrière. Ouais, très bien, Noir. Et on repasse l'autre jambe derrière. Oui, super. Ouais, très bien. On même voit qu'il y en a qui ont des cerceaux et tout. Vous êtes au top. Allez, on essaie juste de mettre maintenant la jambe par derrière et pas par devant. Juste de la croiser derrière. Croise à derrière. Croise à derrière. Allez, très bien. Oui, oui, Gabin. Vas-y, tourne. Tourne pour te trouver face au tableau. Super. Allez, tu essaies. Très bien, Gabin. Super. Noah, c'est très bien aussi. Fadi, c'est top. Vous êtes au top, les loulous. Super. Allez, on ne va pas rester une heure sur ce pivot-là. On va juste maintenant travailler. Donc, on a travaillé le premier pivot ici. D'accord? Donc, on en a fait un. Maintenant, on va en travailler un deuxième qui va être plus celui du kata. Donc, celui-là, il est un peu plus compliqué. Donc, ici, regarde. Je vais juste mettre
une jambe devant, une jambe derrière. Ici, la jambe ou le kimono, il est allé relever. Ici, devant, toujours la jambe arrière dans le cerceau. Toujours la jambe arrière dans le cerceau. Et là, je vais juste travailler celle-là. Regarde. Ici, je vais mettre le pied dans le cerceau ici et je vais me tourner comme ceci. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Je le sais, mais il faut qu'on travaille un petit peu le kata aussi, même en visio. Donc ici, j'ai ma jambe droite, c'est la jambe où le kimono est relevé. Ici. Celle-ci, je vais faire pareil. Donc, tout à l'heure, j'étais face à la caméra, maintenant je suis sur le côté. Ici. La jambe avant, je vais essayer de venir la chercher loin derrière. Loin derrière dans mon cerceau et me tourner. Comme ceci. Donc on reprend. Allez, on se met tous une jambe devant. Alors on essaie de prendre la jambe droite pour ceux qui connaissent bien leur droite de leur gauche. Donc la jambe droite, c'est celle où mon kimono il est levé ici. Donc de là, je vais prendre ma jambe avant et je vais l'amener loin derrière. Loin derrière, ici. Allez, on essaye ensemble. Donc on regarde. La jambe avant, je vais l'amener loin derrière. On est prêt. Donc la jambe avant, je l'amène loin derrière. Et je reviens. Juste ça. La jambe là, la jambe arrière ne bouge pas. Allez, on essaye. 1, je l'amène loin derrière. Moi, je l'amène dans mon cerceau rouge. Et je reviens. 1, ici derrière. Et je reviens. 1, derrière et je reviens. Donc juste ça. 1, ici. Et je pivote sans bouger les jambes. Regardez, j'ai juste bougé les pieds. Allez, on commence. On essaye. Allez, 1, je vais chercher loin derrière et je pivote. Très bien. Allez, 1, derrière et je pivote. Juste ça. Allez, on essaye. 1, je vais chercher derrière et je pivote. Je vais chercher loin derrière. Allez, 1, derrière et je pivote. Allez. Là, vous n'êtes pas nombreux, je vais essayer de prendre un tout petit peu de temps pour vous regarder un petit peu, voir si tout va bien. Allez, on essaye. Ouais, super, Gabin. Vas-y, tourne, pivote. Et on pivote, super. Allez, Noah, on y va. Allez, on se met debout, on travaille un petit peu là. Allez, et toi debout, s'il te plaît. On y va. Allez, allez, allez. Vous n'êtes pas nombreux, il faut qu'on essaie de travailler un petit peu, parce que sinon, il faut qu'on avance un petit peu sur les katas. Allez, on se met en garde, la jambe arrière et on pivote. Oui, Noir, regarde la télé. Voilà, super. Et on revient. Très bien. Ok. Donc de là, maintenant, je vais mettre ici le coup de poing devant. Même bras, même jambe de mon kimono qui est relevé. Même bras, même jambe. Et là, je vais pivoter derrière. Un ici, et je vais mettre le Gaiden Barai devant. Donc le blocage bas, même bras, même jambe. Allez, on essaie de recommencer. Je sais que par visio, c'est pas simple. Mais on ne peut pas faire que du kion ou autre. On avance un peu aussi sur les katas, surtout pour les plus motivés. Allez, jambe droite, bras droit, devant. Ici, je viens chercher loin derrière et je pivote Gaiden Barai. Même bras, même jambe. OK ? Allez, on essaye. Un, même bras, même jambe devant. Je vais chercher loin derrière et je pivote Gaiden Barai. Et on y va. Allez. Je vais jambe droite, bras droit. Un, je vais chercher loin derrière pour mon avis. Et je pivote Gaiden Barai. Allez, on y va. On essaie de faire encore 2-3 fois et après on change. Allez, jambe droite, bras droit devant. Donc le kimono qui est relevé. Ici, je passe derrière ici. Et je pivote Gaiden Barai. Allez, on recommence une dernière fois. Jambe droite, bras droit. Je viens chercher loin derrière. Je pivote Gaiden Barai. Allez. Je vous regarde tous. J'essaie de prendre des choses simples. Hein. Allez, regardez, on va travailler. Vas-y, Noah, pivote derrière. Allez, Gabin, vas-y, on s'y met. Très bien, Noah. L'autre bras, Noah. L'autre bras. Ouais, super. Oui, très bien, Gabin. Oui, super. Ouais, super. Allez, Fadi, on essaye. Allez, allez, on essaye. Ouais, super. Et on revient à sa place. Très bien. Ok, allez Noah, encore une fois. Voilà, et là tu passes ta jambe de derrière. Vas-y, passe. Pivote. Le bras. Super. Ok. Sincèrement, c'est vraiment pas mal. Allez, on fait encore 2 minutes sur le kata. Et on relâche. Allez, je mets les deux pieds ici. Je le fais en même temps que vous. Regardez, on regarde tous la caméra. Ici. Donc je suis là. Là, je vais juste bouger la jambe gauche. Allez, 1, Gaiden Barai. Ici. Allez, 2, coups de poing. Comme ceci. De là, on se rappelle, on va pivoter la jambe droite pour aller chercher loin derrière. 1,
blocage. Et ensuite, je vais avancer deux coups de poing. D'accord? Allez, on essaie de le refaire ensemble. On ne va pas rester très longtemps dessus parce que ce n'est pas facile, surtout en visio. Allez, 1, ici. Je viens jambe gauche, bras gauche. 2, j'avance Oitsuki. De là, la jambe qui est dans le cerceau ne bouge pas. Je vais chercher mon cerceau loin derrière, je pivote, c'est le Genenbara. Et j'avance 2 coups de poing. Ok? Allez, on le fait encore 2 fois. Prêt? Allez, 1, sur place, Genenbara. Allez, 2, coup de poing. La jambe arrière ne bouge pas, la jambe bouge le kimono de relevé. Je vais chercher loin derrière, blocage Genenbara. Et 2, j'avance coup de poing. Allez, on le fait une dernière fois, face à la caméra. Allez, 1, blocage. 2, coup de poing. Allez, 3, je pivote dans le cerceau. 4, j'avance le coup de poing. Ok. Bon, allez, on va passer à autre chose un petit peu plus simple. Ça, c'était vraiment comme si c'était bientôt les vacances. On essaie de faire un tout petit peu plus compliqué. Allez, je reviens au yoga. Ici. Allez, jambe gauche, bras gauche devant pour tout le monde. Ça, tout le monde connaît. Et je vais avancer coup de poing. Allez, 1, coup de poing, même bras, même jambe. Et je reviens. Allez, yoga pour tout le monde. Allez, 1, coup de poing. 2, coup de poing. 3, coup de poing. Ici. Et je reviens. Allez, ça c'est simple. Ça fait plusieurs séances qu'on travaille le même coup de poing. Allez, on se concentre. 1, coup de poing, même bras, même jambe. Allez, 2 et 3. Et je reviens. Ouais, 1, coup de poing. 2, coup de poing. 3, coup de poing. Et je reviens. Allez, allez, un pas, on fait les coups de poing. Allez, 1, 2, 3. Allez, on n'oublie pas de mettre le pied à chaque fois. Allez, j'en fais encore avec le pied, on est prêt. Allez, 1, 2, 3, et je reviens à la place. Allez, je vous regarde. Allez, on accélère un petit peu maintenant, plus de la technique simple. Allez, 1, coup de poing. Même bras, même jambe, super noir. 2, coup de poing. Très bien. 3, coup de poing. Ok, je reviens à ma place tout de suite. Allez, on prend un peu de temps pour revenir. Allez, on garde. 1, coup de poing. Allez, gamin. 2, coup de poing. 3, coup de poing. On va mettre le cas à chaque fois. Et on revient à sa garde. Ok, super. Allez. De là, maintenant, je vais faire la même chose en reculant. Je vais mettre le blocage haut en reculant. Ici, toujours même bras, même jambe. Même garde, même bras, même jambe de devant. Le blocage haut en reculant. Donc là, au lieu d'avancer, je vais reculer. On est prêt. Passe ici. Allez, 1, je recule. 2, je recule. Je me protège. Le toit de ma maison au-dessus de la tête. 3, je recule. Le toit de ma maison au-dessus de la tête. Et je reviens. On est prêt. Allez, 1, blocage haut. 2, blocage haut. 3, blocage haut. Et je reviens à ma place. Allez, 1, même bras, même jambe. 2, même bras, même jambe. 3, même bras, même jambe. Et je reviens à ma place. Allez, 1, blocage, même bras, même jambe, le toit de la maison. 2, blocage, même bras, même jambe, le toit de la maison. 3, blocage, même bras, même jambe, le toit de la maison. Et je reviens. Allez, vous n'êtes pas nombreux, je prends un peu de temps pour vous regarder. On y va, on travaille. Allez, 1, en reculant, même bras, même jambe. Allez, Fatih, on y va. 2, on recule. Allez, on y va, les loulous. 3, on recule. Gabin, c'est très bien, mais fais la même chose en reculant. C'est super noir. Allez, je vous regarde. Hein. Je vous regarde, on y va, on recommence une fois. Allez, 1, on recule. Super. 2, on recule. Allez, Gabin, oui, très bien. 3, on recule. Allez, mec, tu ne travailles pas beaucoup là. Oui, super. Super, c'est très, très bien. Allez. C'est assez compris. On y va. Allez. Sur place, j'avance coup de poing, même bras, même jambe, une fois, deux fois coup de poing. Et là, je vais reculer Jodan la Gyuki maintenant. Ouais. Un, je recule. Deux, je recule. Et j'avance coup de poing. Un coup de poing, j'avance. Deux coups de poing, j'avance. Un, je recule blocage. Deux, je recule blocage. Allez, un, j'avance coup de poing. Deux, j'avance coup de poing. 3, je recule blocage. 3, je recule blocage. 1, j'avance coup de poing. 2, j'avance coup de poing. 3, je recule. 3, je recule. On est prêt? Allez, on fait avec le cahier à chaque fois. 1, j'avance coup de poing.
2, j'avance coup de poing. 3, je recule. 4, je recule. Allez, 1, j'avance coup de poing. 2, j'avance coup de poing. 3, je recule. 3, je recule. Allez, je vous regarde un petit peu. Comme je vous dis, on prend un peu de temps aujourd'hui. Vous n'êtes pas nombreux, ça tombe bien. Allez, 1, j'avance coup de poing. 2, j'avance coup de poing. Super. 3, je recule. Blocage, même bras, même jambe. Oui, super. 4, je recule, blocage, même bras, même jambe. Très bien. C'est super. Allez, 1, j'avance. C'est bien, Oscar. 2, j'avance coup de poing. Super. 3, je recule. Super, Fadi. Allez, en haut, Noah. Oui, Gabin. Même bras, même jambe, Gabin. 4, je recule, même bras, même jambe. 4, je recule encore une fois. Oui, super. Sincèrement, là, à part un qui se ronge les ongles, un autre que je vois plus, les autres, c'est très, très bien. Allez, on va passer un peu sur du combat, si tout le monde est prêt. Allez, moi, je vais prendre ma petite, juste pour vous faire voir ici. Allez, on est prêt. Donc ici, ça va être mon partenaire ou mon adversaire, comme vous voulez ici. Je vais faire comme si c'était mon adversaire. Donc ici, je suis là. Donc tout le monde le voit bien à la caméra. C'est pas simple avec le fond blanc. Ici, allez, je sautille. Je sautille. Je me déplace comme si j'avais. Alors, si vous avez un cerceau, vous pouvez mettre un cerceau. Et je me déplace autour. Et je me déplace autour. Allez, une jambe devant et je sautille. Et je sautille. Allez, on y va. Je sautille, je sautille, je sautille. Allez. Allez, je sautille, je sautille, je me déplace autour. Donc, si j'ai un cerceau ou quelque chose au sol, je me déplace autour. Allez, je vais faire un ici, comme si je voulais venir toucher le bâton. Que le bras avant. Donc, ici, c'est pareil. Si je prends mon cerceau au sol, ici, là, le pied avant, il décolle. Et un, je vais venir toucher mon bâton. D'accord? Donc, je suis prêt. Allez, juste on le fait ensemble. Allez, un ici, que le bras avant, et je reviens. Allez, deux, et je reviens. Si vous n'avez pas de plots, ce n'est pas grave. C'est juste pour vous faire voir un petit peu comment on touche. Allez, trois, ici, sur le plot. Allez, quatre, ici, sur le plot. Allez, cinq, ici, sur le plot. Allez, six, et là. Allez, sept, comme ceci. Allez, huit, ici. OK, je change de jambe. Donc, je change de jambe. J'ai toujours mon pied avant, comme si je faisais mon cerceau ici. Et je viens pousser pour venir toucher le bâton. D'accord? Donc ici, je viens toucher pour venir toucher le bâton. Allez, 1, ici et je reviens. Allez, 2, et je reviens. Allez, 3, je viens toucher. Allez, 4, je viens toucher. Allez, 5, je viens toucher. Allez, 6, je viens toucher. Allez, 7, je viens toucher. Allez, 8, je viens toucher. OK. Allez, je récupère un petit peu. Je récupère un petit peu. Allez, maintenant je vais travailler mon Mawashigiri. Donc là, je vais vous prendre un cerceau, deuxième cerceau pour bien vous faire voir. Ici, donc j'ai un pied avant, un pied arrière dans chaque cerceau. En garde, comme on a l'habitude de faire. Là, je vais venir juste travailler mon Mawashigiri avant. Donc le pied qui est dans le cerceau rouge, il va venir dans le jaune. Et je vais venir mettre le Mawashigiri jambe avant. Donc ici, regardez. Ici, la jambe arrière. Hop, je tiens et je viens faire Mawashigiri. D'accord? Avec l'équilibre, c'est mieux. On est prêt? Allez, juste la jambe avant. Allez, 1, ici. Et je repose. Allez, 2, ici. Et je repose. Vous avez vu, la jambe arrière, elle vient dans le cerceau jaune. Et la jambe du cerceau jaune, elle décolle. Allez, 1, ici. Allez, 2, ici. Allez, 3, ici. Allez, 4, ici. Allez, 5, boum. Allez, 6, boum. Que la jambe avant. Allez, 7. Allez, 8. OK, je change de jambe. Je change de jambe. Maintenant, je vais faire l'autre jambe. Donc, toujours pareil. La jambe arrière, elle vient dans la jambe dans le cerceau avant et je viens faire ma rechique avec la jambe avant. On est prêt? Allez, 1, ici. Allez, 2, ici. Allez, 3, ici. Allez, 4, boum. Et je viens toucher. Allez, 5. Allez, 6. Allez, 7. Allez, 8. OK. Moi, j'enlève les cerceaux. Maintenant, on va en faire 4 vite et fort. Que
va travailler les deux. D'accord? Donc, je vais être là, je vais mettre un coup de poing bras avant ou deux mawashigiri jambes avant. D'accord? Donc, on va travailler tout en la même garde. On est prêt? Allez, on sautille. Allez, un coup de poing ou deux mawashi. Allez, deux coups de poing ou trois mawashi. Allez, trois coups de poing, trois mawashi jambes avant. Allez, quatre coups de poing, quatre mawashi jambes avant. Allez, j'en prends encore deux. Un, mes coups de cache, coup de poing, et on fait mawashi jambes avant. Allez, six coups de poing, mawashi jambes avant. Allez, je vous regarde si vous travaillez un petit peu. Allez, on sautille, on y va. Allez, la même chose. Allez, un coup de poing, coup de pied. Oui, Noah, les coups de pied. Ouais, il y en a qui ont des bâtons et tout, c'est top. Allez, Gabin, deux coups de poing. Coup de poing, coup de pied. Oui, très bien. Allez, trois coups de poing, coup de pied, super. Allez, quatre coups de poing, coup de pied. Ok. Allez, on fait la même chose en changeant de jambe. On travaille l'autre jambe. On est prêt? Allez, un coup de poing, coup de pied. Juste ça. Allez, deux coups de poing, coup de pied. Allez, trois coups de poing, coup de pied. Allez, quatre coups de poing, coup de pied. Allez, cinq coups de poing, coup de pied. Allez, six coups de poing, coup de pied. Ok. Allez, on relâche les loulous. J'espère que ça a été. Allez, on va passer aux étirements. On va passer aux étirements. Allez, on s'assoit ici. Allez, j'écarte les jambes ici. Je ramène les fesses, les talons ici. Je mets les mains sur les chevilles et je viens appuyer papillon. Allez, je compte jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Ici, on va travailler les lombaires. OK. Donc, les lombaires, je viens me mettre, comme tout à l'heure, la grenouille. Les pieds au sol, les fesses sur les talons. Et je viens chercher loin devant, je m'étire. Ici, les fesses doivent être au plus proche, les talons et les mains devant. Et je vais chercher loin devant et je m'étire. Allez, pareil sur 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on va travailler maintenant. Ici, j'ai entendu. Ici, j'ai entendu là. Et je vais venir chercher mes chevilles. Voilà. Et je vais chercher le plus proche. Soit je suis très souple, je prends mes chevilles, les pieds ou les tibias. Moi, je suis un peu moins souple, donc les tibias. Ici. Et j'ai les jambes tendues. Et je viens m'affaisser sur le devant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, j'en profite, je fais deux roulades en arrière. Allez, 1, ici. Je ramène groupé les jambes, les genoux au niveau de la poitrine. Je fais attention de ne pas venir sur la nuque. Juste, je roule en arrière. Allez, 1, sur les épaules. Allez, j'en prends encore deux. 2. Allez, la dernière. Hop là, comme ceci. De là, je repasse devant. Et comme d'habitude, je me relève tout doucement, le dos en dernier. Ici, je viens chercher loin. Et je relâche. Allez, je viens chercher loin. Et je relâche. Ok. Allez, hop là. Bon, j'espère que pour tout le monde, ça a été.